Bonjour, chère Vierge, bienvenue. Donc, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve donc pour la vidéo du mois de mai et vous verrez, j'ai apporté quelques petits changements qui me plaisent bien et puis j'espère que ça vous plaira aussi. Alors, j'ai une autre petite information, c'est que je ne fais plus les parties 2 pour les vidéos trimestrielles. Mais alors, d'abord parce que ça me fait énormément de travail. Et puis, j'ai d'autres vidéos qui sont sur une liste d'attente et je pense que c'est le bon moment d'apporter un petit peu de nouveauté sur cette chaîne. Alors, n'hésitez pas à demander si vous en avez besoin, si vous en avez envie. Donc, une vidéo personnalisée. Vous avez mon adresse de contact qui se trouve en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Et puis, si j'y pense, par contre, je mettrai un petit spot au-dessus. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour votre vidéo de mai. À très vite! Chère Vierge, je suis donc de retour pour votre tirage que vous voyez déjà disposé. Donc la structure n'a pas changé. Il y a toujours donc à ma gauche et pour vous à droite ce qui vous concerne au point de vue des informations. Ici, c'est ce qui concerne votre partenaire. Et dans la partie centrale, c'est l'interaction entre vous deux. Dans la partie haute, c'est la disponibilité, le présent de l'un envers l'autre. Et puis la sphère émotionnelle avec donc l'aspect sentimental, les désirs, les sentiments en dessous. Et en tout dernier, la carte qui est tout en bas, c'est celle qui va nous parler en fait du résultat et du futur. Voilà, donc on y va pour votre première carte. C'est celle qui s'appelle la conjurée ici. Et elle vient apporter, alors déjà, je vois dans les deux cartes, celle qui vous concerne et celle qui concerne votre partenaire, qu'il y a déjà une expression d'une forte intensité qui se passe, qui a lieu là. Il y a un peu d'agressivité dans l'air, je dirais. Et même, on peut aller vers un petit peu de provocation. Dans ce qui concerne la carte de la conjurée qui est donc pour vous. Donc peut-être intensité, agressivité. Alors je ne pense pas que ce soit envers votre partenaire, c'est je pense envers vous-même. C'est parce que vous souhaitez garder le dessus, le contrôle d'une situation, soit émotionnel ou même au niveau des sentiments, que quelque chose, vous avez le sentiment que quelque chose échappe à votre contrôle. Et donc, pour garder le contrôle sur ce dont vous avez l'impression qu'il vous échappe, il y a cette tension, donc un peu agressivité, et donc aussi, c'est marqué par beaucoup d'observations de ce qui se passe en vous et autour de vous. Pour ce qui concerne votre partenaire, on a la carte de l'instinctive. Alors, on parle encore de la même chose, c'est-à-dire de l'attention, comme j'ai dit, de l'agressivité.
qu'il y a dans l'air pour prendre dans le même but, pour garder le contrôle d'une situation. Au point de vue émotionnel, je pense que c'est pour garder peut-être le plus de calme possible par rapport à ce que vous vivez. Et en même temps, ça provoque chez vous, chacun de vous, de la tension et de l'agressivité intérieure. Et il y a ce même sentiment que quelque chose est en train de vous échapper. Et donc, vous restez là, votre partenaire, elle reste à l'affût pour voir si il y a un besoin à régler donc une situation avec le plus de rapidité et de dynamisme possible. Cette personne est prête à agir et à réagir même. Donc, dans l'interaction, on a la carte de l'éperdu dans son sens inverse, ce qui indique qu'il y a une vraie instabilité au point de vue des ressentis. Parce que vous êtes déjà chacun de votre côté, déjà sous une pression plutôt que de vous mettre au cœur de la situation et vous permettre de contrôler comme il faut, ici, ça vous fait perdre en fait plus les choses et donc plus que le sentiment que quelque chose vous échappe, effectivement, là, il y a une perte de contrôle. Et alors, ça peut créer entre vous une dépendance affective dans le sens où vous allez dépendre de l'action et de la réaction de l'autre à chaque fois. Et ça peut, je pense que par moment, ça crée un manque de compréhension de ce qui se passe, de ce qui est à l'œuvre, des circonstances. Et donc, il y a des erreurs qui sont commises de l'un ou de l'autre. Et ça amène, en fin de compte, du coup, à une autodestruction plutôt que d'une structuration. Il y a une autodestruction. Il faudrait arriver, finalement, par cette carte, à mettre des repères auxquels vous vous rattachez, l'un et l'autre, pour pouvoir structurer et faire face à soit à l'épreuve, soit à l'obstacle, que vous puissiez surmonter ce qu'il y a dans l'interaction, effectivement. Et là, c'est toute la partie pratique de la vie. Reconnaître que l'un et l'autre, vous avez une façon d'agir qui peut être une bonne correspondance pour surmonter le quotidien, finalement. Vous faire confiance, arriver à vous faire confiance, arriver à avoir confiance déjà en vous-même, à trouver donc cet équilibre. Et une fois que cet équilibre est en place, je pense que par cette carte, on nous signale qu'il y aura de toute façon un rééquilibrage qui se fera. De toute façon, on va voir avec d'autres cartes. Dans la partie de la sphère émotionnelle et sentimentale, on a donc pour vous la reine des elfes, donc, qui nous indique qu'il y a donc conseils ou des actes qui en fait, pardon, excusez-moi, il faut que je boive un petit peu. Voilà, donc je reprends. Alors, je disais, donc la reine des elfes, pour vous, je pense que en correspondance avec la carte qu'il y a au-dessus, finalement, il y a une atmosphère donc qui est pesante et une routine que vous souhaitez évacuer. Vous souhaitez,
en fait trouver ou retrouver la possibilité, au point de vue émotionnel, au point de vue de vos sentiments, quelque chose qui vous amène vers une élévation. Vous voulez vous sentir mieux, vous sentir plus libre. Et vous allez, je pense, aller vers une recherche de nouvelles valeurs, nouvelles valeurs que vous voulez mettre en commun avec votre partenaire ensuite. Mais vous voulez, dans un premier temps, trouver ce qui, pour vous, va prendre une direction extrêmement positive, constructive. Et donc, toutes ces initiatives vont vous amener à pouvoir partager quelque chose, en tout cas c'est votre espoir, quelque chose qui soit plus positif, plus neuf pour et plus structurant et beaucoup plus allégé, plus frais dans votre relation. Pour ce qui concerne votre partenaire, on a la carte d'Ouïra. Donc cette carte, elle donne une priorité à ses sentiments, à ses désirs. Elle est dans son essence, elle est très douce, calme, et c'est une façon de s'entretenir aussi physiquement pour garder un équilibre émotionnel serein, calme, posé, et puis avoir l'estime de soi, ce qu'elle a. Cette personne, hein, je ne dis pas, je parle pas d'une femme en particulier, je parle d'une personne. Elle apporte beaucoup de soins déjà à elle-même, mais à la relation, à l'échange, au partage. Dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle celle qui rit. Et donc là, ce qui est indiqué, ce qui est conseillé, je pense que c'est ce qui se passe aussi entre vous, c'est qu'il y a un partage avec de vos sentiments qui changent par rapport à l'aspect donc qu'on a vu tout à l'heure dans l'aspect pratique de la vie. Ici, il y a vraiment un partage avec beaucoup de fraîcheur, de légèreté, de spontanéité, de vérité même, hein. Et donc le problème, il est plus dans la vie pratique finalement. Parce que dans la vie sentimentale, c'est vraiment très, très bien, très intéressant. Il y a des contacts et qui vont vers une direction commune, des partages qui sont aussi très épanouissants. Il y a du rire, du détachement. Et ça permet d'alléger la situation et les circonstances qui sont vécues d'un autre côté de manière plus pesante. Dans la carte qui concerne donc le futur, c'est l'as d'épée. Donc l'as d'épée nous indique qu'il y a une très forte motivation, pardon, pour engager un renouvellement, pour atteindre un but et forcément positif ici. En fait, vous allez vers un point culminant de la situation. Alors, on va préciser parce que culminant, est-ce que c'est l'aspect sentimental ou est-ce que c'est l'aspect plutôt pratique qui va dominer? Alors, on va voir tout de suite avec déjà ce jeu-là. On va voir qu'est-ce qui vous a amené à cette as d'épée. Et puis, on va mettre une autre carte à la suite. Donc, ici et ici. Donc, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et puis, je vais mettre avec l'autre jeu une autre carte sur chaque. Ici, parce qu'il y a beaucoup de tensions, je
sur chacun d'entre vous, comme on l'a vu. Et puis, dans l'interaction, on va voir ce qui change par rapport aux deux autres cartes que l'on va déposer. Voilà. Donc, je prends une ici, et une autre dans l'interaction. Donc maintenant, on retourne les premières cartes du haut. Elles sont toutes renversées. Alors, on a ici la futaie qui nous parle de préoccupation. Je pense préoccupation du couple et préoccupation familiale plus largement, avec des idées assez confuses pour prendre des nouvelles initiatives par rapport à l'obstacle, à l'épreuve que vous êtes en train de surmonter en commun dans l'aspect pratique de la vie. Pour votre partenaire, c'est vécu avec l'énergie de la carte de l'errant, c'est-à-dire une vulnérabilité, un sentiment d'insécurité et puis aussi peut-être l'incapacité ou le refus de prendre des responsabilités dans ce qui concerne donc la vie pratique du couple. Ce qui donne que dans l'interaction, il y a la carte de l'ascension. Là, c'est le sentiment plutôt, parce que la carte est renversée, le sentiment d'isolement, le sentiment d'isolement et même d'emprisonnement, du manque de solution et peut-être le sentiment de se sentir, au-delà d'être fragile, pour ne pas parvenir à faire face à ce dont vous êtes confronté mutuellement, une recherche de trouver une solution qui soit vraiment très efficace, mais dont vous manquez d'idées. Vous manquez peut-être pas d'idées, mais vous manquez au point de vue de l'aspect matériel, peut-être d'aide aussi et de soutien qui vous sont pas disponibles. Alors on va voir avec l'autre carte. J'ai pas encore retourné ces cartes-là, mais il me semble important d'éclaircir la partie qui est tout en haut aussi d'abord. Alors, on va mettre une carte sur les trois de toute façon. Alors, pour vous, il y a la carte du 2 de coupe. Ici, c'est la carte de la reine de bâton dans son sens inverse. Et ici, c'est la reine de coupe. Alors, pour vous, la carte du 2 de coupe dit que, au point de vue de la disponibilité et de la disposition, au point de vue de l'humeur, vous êtes tout à fait, finalement, vous vous sentez très, très, très concerné par la situation. Vous avez la volonté et la disposition, comme je l'ai dit, pour avancer. Votre partenaire se trouve en difficulté, finalement, parce que, donc, avec cette carte de la reine de bâton, je pense qu'il y a le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être en capacité de trouver les solutions qui vont donner un résultat positif. Alors ça ne peut être que ça peut être le fait d'avoir simplement ce sentiment. Ce n'est pas forcément vrai qu'il y a cette incapacité. Par contre, au point de vue
la carte de l'interaction, il y a la reine de coupe qui amène donc l'information que les difficultés sont difficiles à surmonter. Cette reine de coupe aussi, ça peut être l'indication que la situation est très en fait irrationnelle et qu'elle manque justement de prise, de racine. Quand je dis de racine, c'est de réalisme. Elle est trop dans l'émotionnel, au point de vue du vécu, au point de vue de la capacité à revenir à quelque chose de plus réaliste, de plus pragmatique. Et voilà. Ça peut être aussi que votre partenaire aurait tendance à jouer peut-être double jeu, ou alors cette personne ne joue pas double jeu, mais elle ne veut franchement pas, ou alors elle est vraiment dans l'incapacité de prendre des responsabilités actuellement, et qu'elle s'en remet totalement à vous, et donc ça donne un déséquilibre finalement au point de vue de l'engagement de chacun. C'est-à-dire que comme il y a cette incapacité, il se peut que cette personne juge le fait par un détachement total de l'engagement qu'elle a au départ par rapport à la situation vécue. On passe donc aux cartes qu'il y a en bas, qui nous parlent donc, comme j'ai dit ici, de la situation qui vous a amené jusqu'à cette As d'épée, où il faut vraiment avoir une très forte motivation pour vous engager sur un renouvellement. Donc on a ici le cavalier de coupe, dans son sens inverse, hein. Donc je pense que vous avez eu au point de vue des circonstances dans lesquelles vous étiez une nouvelle, une information, une situation qui est arrivée à vous qui était défavorable et qui demande justement ce redressement. Et on va aller plus en profondeur parce que finalement, là, je pense, dans l'état actuel, que c'est plus l'aspect pratique. Est-ce que ça a touché votre sphère sentimentale? Là, apparemment, non. Mais je vois que avec la carte qui vient par la suite, il y a au niveau de la sphère sentimentale, c'est touché, en tout cas émotionnel. Et c'est pas touché de la manière la plus positive qui soit. Donc, on va mettre une autre carte pour avoir un approfondissement. Donc, ici, ici. Ici. Donc pour vous, on a la carte du pendu, ce qui veut dire que au point de vue de la situation sentimentale, il y a un sentiment, tout à l'heure on a parlé des émotions que vous vouliez plus élevées, plus élévatrices, plus... Vous vouliez apporter quelque chose dans la relation qui vous amène une atmosphère moins pesante. Et là, avec la carte du pendu, ça veut dire que vous êtes totalement dans un passage, justement, qui ne vous permet pas de voir les choses avec réalisme. Vous êtes plus dans l'irréalisme, comme on l'a vu précédemment.
avec une recherche plus dans votre intuition, dans votre imagination. Ça vous demande du détachement, mais vous êtes plus dans l'idéalisme. Donc, voilà. Pour ce qui concerne votre partenaire, la carte de l'étoile, les étoiles, l'étoile, pardon, on a l'idée que cette personne est aussi dans la rêverie, dans l'imagination. Mais c'est plus constructif que cet aspect-là au point de vue de l'impact sur les émotions. Ici, c'est plus difficile à vivre, c'est quelque chose de plus difficile à vivre. Ici, c'est plus rayonnant, c'est plus léger, c'est plus porteur. Alors, dans l'interaction, on a la carte de l'ermite. En fait, oui, ça correspond bien la carte est renversée. Ça correspond bien aux deux cartes qu'il y a sur le côté, avec un détachement qui est fort, hein, un détachement qui est fort parce que ça engage à beaucoup moins d'engagement au point de vue des sentiments, une recherche de détachement qui est fort. Je pense pour arriver à une nouvelle vision, à une nouvelle philosophie de vie dans le couple, au niveau du partage, de l'échange et une direction commune que vous voulez mettre en place qui fait partie vraiment de votre imaginaire. Et il y a une recherche très forte dans ce sens. Alors, la dernière carte ici qui va avec l'étoile, la lune, pardon, c'est la carte du 8 d'épée dans son sens inverse qui va nous indiquer qu'il y a alors en fait l'exposition de discussions, de rapprochements qui sont souhaités et qui sont même souhaitables, mais qui se font aussi avec un filtre de peut-être qu'il peut y avoir, je pense, hein, du mensonge, c'est-à-dire un manque de réalisme et un manque de réalité et une volonté de ne pas dévoiler vraiment ses sentiments, vraiment se dévoiler l'un à l'autre ou dévoiler une situation avec un regard détaché et beaucoup plus objectif pour pouvoir avancer dans la relation. Voilà, très chère Vierge, je vous souhaite donc de trouver une solution et puis pour ma part, je vous retrouve sur une autre vidéo. Au revoir.